Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Pourquoi d'avoir mangé le matin? Non, mon goût aller à l'école avec sa maman. Madame Morcal, je sais que ça ne convient pas très bien, mais mon fils a besoin de moi. Il a téléphoné hier soir et je dois partir dès demain matin. Pour longtemps? Je ne sais pas. Peut-être qu'il vaudrait mieux chercher quelqu'un d'autre. Désolant si vous voulez. Non, c'est très gentil de votre part, Annie, mais je vais me débrouiller seule. J'ai un petit peu plus de temps, moi aussi. C'est vrai ce qu'on raconte? Il vous envoie des enquêtes? Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêchera pas de continuer. Elle a de la chance, cette femme, d'être tombée sur vous. Bonjour. Moi aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente que, entre vous et Tony, ça aille bien. Ouais. J'ai négocié avec Alice, elle. Pour m'acheter l'eau. Vous inquiétez pas, je suis pas encore. Il faut du Contrex. Pour ça. Acheter un salon. Ça va en bas de sur elle. Quand on vous dit bonjour, il faut dire bonjour. On a dormi ensemble. Voici moi convalescente. Hein. C'est maintenant qu'elle sent les histoires sur moi. Hein. Ah. Je n'ai pas senti ça sur moi ces jours-ci. Depuis que ça a commencé. Maintenant, là, je sens ça bien propre. Je dis propre sur moi. Ouais, il y a un hommage ce matin. En casse la chicotte. Vraiment. Casse la chicotte, c'est une femme. Elle aime tout le monde, elle est vraiment sympa. Elle. Non, vraiment. Je rends hommage ce matin en casse la chicotte. Et à son équipe qu'elle-même a amenée. C'est vraiment, c'est une très belle personne. C'est dur, hein. C'est très dur. Je mange la paella. Je mange la paella. Ça, c'est une vraie femme.
la gnognotte. Et bon, quand Maëva Image va nous faire les photos, vous allez voir en casse. Très belle. Merci. Bon, c'est très bien. Elle a bien animé quand ça chicote. Hey. Elle a bien animé. C'est comme ça qu'il faut être. Jessica, tu es bien parti. Quand ça chicote. Jessica. En général, on mange à tous les gens qui étaient dans ma table, sur ma table. Vous tous, vous étiez formidables. Nous sommes dans la joie, on a dansé. Je dis, sur ma table, personne n'était assis. Tout le monde a dansé, j'ai filmé tout le monde. Tu arrives à 9h, tu as le temps d'aller à la maison, t'échanger, t'habiller au travail. Non. Dans ma salle, il y avait la joie. Nos bouteilles ont suffi. J'ai encore ajouté d'autres bouteilles, oui. On a bien bu. De toute façon, il y avait tellement de boissons. Hein. Il y avait trop de boissons dans toutes les tables même. Et moi, je connaissais toujours quelqu'un dans les tables. Je connaissais quelqu'un dans toutes les tables. Je dis dans toutes les tables, je connaissais quelqu'un. Si j'étais à Katek, on dit que la voix joyeuse, Jean. Comme je me souviens là, oh, que je suis encore au commun. Il vous dit. Il y avait les là-bas, les champagnes. Et Douabala là-bas, les champagnes. Le président de la diaspora, alors lui, il avait les champagnes posés partout. La marraine de la soirée, alors, tous ça sont des amis toujours. Il a dit que, pas mon sang là-bas. Il a dit que si lui, il avait rentré avec ses champagnes. Il y avait la boisson partout. Partout. On s'est bien amusé. Je suis quand même l'ambiance. C'était adorable. Vraiment, ma table, tout le monde a dansé. Je dis bien tout le monde. La chicote a fait, elle a fait l'ambiance bien même. Vraiment, bravo, on casse. Bien, mais c'est vraiment très bien. Et il y avait plein d'abeilles aussi. Il y avait beaucoup d'abeilles, il y avait les sympathisants, il y avait tout le monde. Il y avait certains Wars de soucis qui étaient là-bas, que je ne connais pas, qui n'étaient pas assis dans ma table, mais qui étaient assis partout. Je me saluais. C'était bien. Bien, yeah. Yeah, au match ce matin, à tous les voir ce qui était assis à notre table. On était bien là-bas. C'était une bonne ambiance, c'était comme si c'était une famille. On ne se connaissait pas très bien. Il n'y a pas eu d'incident. Quand tu entends, chop. Non, tout le monde était à l'aise. Quand quelqu'un paye quelque chose à manger, on tous a mangé. On a bien. Voilà, maman, laissez-moi l'histoire d'entrée là, pardon. L'entrée, les entrées, voilà, tu les gens que, oh, l'autre est entré, c'était chape. Toi, tu es entré, tu es comme d'abord, tu es couteau comme deux pour machin, tout. Pardon, oubliez-moi de ça. Et ça, la soirée, la première, je n'ai pas attendu 2h du matin pour atterrir.
L'année prochaine, c'est peut-être à Dieu, moi aussi, je vais attendre à 2h du matin. Comme ça, on va me filmer aussi de l'entrée jusqu'à moi aussi. Je veux prendre aussi ma place, une place. Mais je ne peux pas prendre une place parce que j'aime mes Warriors. Je vais aller m'asseoir sur ma place aussi. Je ne vais pas aller m'asseoir sur la place qui n'est pas la mienne. Pour montrer que je suis assis au salon. Eh bien, Nana, tu aimes qu'on tire attention sur toi. On s'en fout de toi. Tu entends, non? Que tu viens te présenter à moi ou pas, je suis qui pour que tu te présentes à moi. Te présenter à moi, que tu m'as checké. Il y a des gens, il y a des filles là-bas qui sont présentées, que moi aussi, à Bête, ils connaissent leur visage. D'abord, je n'ai même pas déposé. Que toi, tu viens me présenter, que je suis qui? C'est moi qui présente la soirée. J'ai été invité comme tout le monde, j'ai pris les billets comme tout le monde, hein? Oui. Tu as peur de moi que je mange les gens? Vous confondez le virtuel et la réalité, hein? Sérieux? Frère. C'est vous qui me connaissez, moi je ne vous connais pas. Donc. Tu dis que elle est nana, que d'abord, tu dois que tu es une femme. Que d'abord un homme. Tu es une femme, tu n'es pas un homme. Est-ce que toi-même tu es une femme? Tu es un homme? Bah voilà, non, les hommes ne parlent pas comme ça. Parce que tu es une femme. Tu es une femme ou bien tu es délaissée, c'est tout. On se voit quand on va venir écrire le matin que je suis un homme avec les gros mimbang. Non, c'est les mimbang. C'est ça, ce sont les choses des hommes. C'est les hommes qui parlent ça. Sandra, vous créez des problèmes. Tu as mangé les soya et les soya étaient bons. Francine, hier, les soya étaient bons. Quand tu dis que tu as mangé ça, une femme comme toi, si tu es vraiment une femme, tu as mangé les soya, là c'était bon. C'est moi qui ai créé la première, il y a des gens que les soya n'étaient pas bons. Les soya étaient salés. J'ai dit, oh, ah. Ça n'avait même pas de goût, pas de sens. Donc, une personne qui a venu dire ici que les soya étaient bons, c'est vrai que tu ne sais pas cuisiner. C'est tout. C'était pas bon. Il faut leur dire pour que l'année prochaine, les choses changent. C'est quand même l'argent des gens. C'était dans un restaurant, elle tapait un scandale. Oui. Alors que ça, Evelyn adore quand on parle de lui. Parce que c'est une femme. Oui, il était chauffé à moitié, c'est parce que c'est pour ça qu'il y avait l'eau. Oui. Même les Misunga, il y a les Misunga là-bas dans les barquettes. Misunga, on a retiré là du congélateur. Il faut savoir qu'il y a les Misunga là-bas. Il y avait les Misunga. Pourtant, moi, je pouvais parler Misunga. Les Misunga étaient glacés, congelés. Il y avait les Misunga là-bas. Les Misunga, ça n'a même pas de sens. Aucun goût. Vous croyez que si on va dans l'histoire, vous mangez n'importe quoi? Quelqu'un vient de dire, c'est là que j'ai mangé, ça c'était bon. Ben dis donc.
Ce n'était pas bon. Je donne les vérités. Les missions n'ont pas été vendues parce que les missions étaient glacées. Ils ont congelé les missions à très tard. Parce que c'est un outil qu'ils ont même préparé pendant la semaine. Dès qu'ils ont préparé ça, au lieu de délivrer ça, dès la nuit d'hier peut-être, que ça se décongèle calmement, non. Ils ont décongelé ça peut-être vers les 15 heures comme ça. Il y avait les missions, étaient congelées là-bas. Vous qui dites que la nourriture était bon. Combien de gens savent qu'il y avait les missions, n'ont pas été payés, pourquoi? Vous pouvez vous promener avec le petit truc que je prépare là, non? Le petit rochot là. La plaque là, non? Vous arrivez, vous mettez la nourriture là sur la plaque, de temps en temps, vous tournez pour que ça ait un peu chaud. Donc, il n'y avait pas de micro-ondes là-bas. Vous ne pouvez pas partir avec le micro-ondes dans un événement comme ça pour chauffer la nourriture des gens. Hein? J'exagère, mais souvent, ça n'était pas bon. Je dis que les missions étaient congelées, je dis, j'exagère. Tu m'as pas dit, si ça te plaît pas, tu touches la paix. Oui, j'ai dit. Vous n'aimez pas. Les Camerounais, vous voyez ce qu'ils nous tuent souvent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous voulez toujours couvrir tout. Je ne sais pas qui a préparé, mais ce n'est pas du tout bon. Oui. Quand vous parlez, vous voulez dire, je sabote. C'est le sabotage que vous voulez dire. C'est mon argent. On n'a pas payé 1000 euros pour aller s'asseoir. Pour en plus, on mange les trucs congelés. Plein de sel, un peu que nous, on paye encore. Quand vous aimez le faux, même dans la nourriture, c'est le faux. Voilà la paille là que je prépare. Oui. Oui. Bonjour. Pardon, oublie-moi, Moi, j'ai payé 70 euros. Non, maman, non. C'est un rapport qualité-prix. Voilà ma paille là que j'ai payé là ici. Au marché là-bas. C'est ce qui est parti payer le pays, c'est tout. Elle est rentrée avec. Voici ça que je mange ici. Si ce n'était pas bon, tout ce que j'ai rajouté, c'est juste un peu d'aromagie et du piment. Sinon, c'est bon. Depuis hier, je mange ça. Depuis hier soir, je mange ça. Parce que c'est bon. Oui. Comme tout est devenu faux au Cameroun. La boisson frelatée. Hein? Misunga frelatée. Soya frelatée. Les gens mangent ça comme nous sommes obligés à manger. Parce que c'est les gens du village, parce que c'est... Non, je ne suis pas d'accord. C'était pas bon. Les gens, à la fin, maman, c'est pourquoi j'étais malade. Hé, la pauvre, il n'y a pas le bouillon là-bas, mon petit bouillon. Allons dans la voiture, on part, pardon, tu ne peux pas quelque chose pour manger. J'avais pitié d'eux. Les gens, tous les gens se sont roulés dans les ngandas, dans les restaurants, parce que les gens avaient faim. Les gens avaient soif. La prochaine fois, vous allez voir ce qu'elle veut faire ici. Moi, je vais emballer les misunga, je les amène là-bas, je vends à la salle là-bas. Un moment, je sors dehors, je mets les misunga dehors. Oui. Oui. Ouais, non. Moi, je vais faire ça, le pain chargé. Je vais prendre mon pain chargé. Bien chaud. Oui, Nisuga. Peu importe. Dans quelle catégorie où je serai. Les gens aiment bien manger. Tu vois comment quelqu'un s'assoit comme ça. Il a son whisky devant lui. On va lui servir les Nisuga. Il mange bien. Bien chaud. Le soya bien assaisonné. Ah. Quand tu veux parler, n'exagère pas aussi. Continue à couver.
Non, on mangeait seulement parce que c'est aussi qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'est tout. Sinon, le reste de la soirée était top. Les invités étaient agréables. Hein? La soirée s'est bien passée. D'abord, vous voyez ça en image. Les gens étaient joyeux. Il y avait beaucoup de femmes plus que d'hommes. C'était bien. Il y avait des petits qui sont venus pour la publicité là-bas. Il y avait les Mbrakata qui étaient là-bas. Il y avait Waris qui était là. Il y avait Waris qui était là. Un charmant garçon, Waris, très sympa, très gentil, qui s'est là. Le truc était vraiment la balata. Très sympa. Je mange la soeur couche sur moi. Ouais. En tout cas, je me suis bien amusé. Hein. Mais si le soir avait été bon, hein, ah, bon, c'est que les gens allaient tout payer, prendre ça. Redemander encore. Vous parlez des barquettes de Missouga, vous amenez dans une salle qui a plein de monde. Les gens ont faim. Vous ne bandez pas parce que Missouga sont congelés. Vraiment. Et j'imagine comment les Missouga sont pour préparer les Missouga. Même si c'est un amateur qui a préparé ça. Vous comprenez, non? Et que même si c'est un amateur qui a préparé ça, le temps que l'amateur l'a fait pour tourner, c'est vraiment ça. Hmm? La prochaine fois, moi, je vais préparer les Missouga. J'amène ça là-bas. C'est tout. Parce qu'ici à Paris, dans les soirées, les gens ici là, il y a certains gens qui sont souvent pour la catégorie là qui viennent souvent dire que maman, comme je connais telle personne, hein, laisse-moi, c'est ma femme qui va préparer. C'est là. Non, les gens ne vont pas manger n'importe quoi parce que c'est les connaissances. Manger là où c'est bon, là où il y a du goût. Avec le bon piment de la Revue Joyeuse. Les bons soeurs bien assaisonnés. C'est que. Les gens avaient oublié. Moi, je suis à partir dans cette soirée que maman, quand une personne fait le soya, hein, on se met qu'en rang. Les gens paient une fois pour 100 euros. Une fois. Vous mettez dans la table comme ça. Vous voyez comment les gens mangent, ils sont à l'aise. Vous regardez c'est quoi? Un soya combien? 2,50 €. Et alors? C'est l'argent? On peut même faire un 5 soya à 10 euros. Donc un soya rempli de sel, sans le goût, sans rien, à moitié glacé. 4 soya à combien? Soya, 10 euros. On peut abuser là. Ça c'est pour la même. C'était ma soeur pour la langue que ça a le goût. On comprend. Zéro goût. On n'a pas parlé parce que si on parle, ça va changer quoi. Moi je dis que ce n'était pas bon. C'est tout. Là, je dors encore. Je me réveille pas d'accord des médicaments à la pharmacie. Fais-moi un petit comme ça.
Vas-y, on attend comme ça. C'est moi ça. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Qui a, j'ai dit, lumière doit là. Qui a accusé ma foi ici? Qui a accusé quelqu'un comme ici? Vous amenez toujours son nom partout. Moi, quand j'étais ici, elle avait dit qu'il y aura à manger. Elle m'avait dit que ma bombe, il faut venir vite. C'est pour ça que je suis partie vite, parce que je ne savais pas que elle a redit qu'il n'y aura pas à manger. Oui. Qui l'a accusé ici? Parce que vous aimez trop pour dire que la nouvelle joyeuse a dit. Oui. J'ai demandé que, mais, nous on a faim. Est-ce qu'il y a de la guilloté? Au début, on a dit qu'il y a des guillotés. On nous a mis des arachides. Hein? Ça va que c'est ta génétique, ce n'est pas le sabotage. Écoutez-moi très bien, je passe ce qui est vrai. Vous aimez trop amener le nom de Mafo partout. J'en ai rien à foutre. Ce n'est pas le sabotage. Si tu étais là-bas, si tu es une femme, ce soir elle était salée. Ce n'avait pas le goût. C'était le préchauffé. Tu m'entends? Alors, si tu ne voulais pas que je vous bloque ici, fermez vos gueules. Ici, c'est mon mur. Vous entendez, non? J'ai quelque chose à dire parce que je n'aime pas le faux. Alors d'abord, tu n'es plus la bienvenue ici. Je te bloque, retourne là-bas, t'assois chez ma faux. Au revoir. Vas-y. Plus jamais, quand vous sentez vos grandes gueules dans ma page. Vous, les femmes, une vraie femme peut manger 5 heures de nourriture. Dégage. Je te bloque à vie, plus jamais. Même si tu me supplies, te débloque pas. Fermez vos gueules dans ma page. Bande de chieuses. Bac. Ici, c'est ma page. J'ai dit, je fais ce que je veux. J'ai toujours quelque chose à dire. Oui. Oui. Parce que quand vous savez qui a préparé cette nourriture, c'est pour ça que vous voulez m'étouffer. Ne m'étouffez pas dans ma page. Je dis ce que je dis. Oui. Vous que voulez m'étouffer, ne pas parler ce que je veux parler. Si je partais à la soirée, à te parler, ça veut dire qu'il y aura à manger. Quand ma fête, il y aura à manger, que je viens tôt. Mais j'arrive là-bas, mais je ne savais pas qu'elle avait tout la bouche pour dire qu'il n'y aura pas à manger. Mais comme il n'y a pas à manger, mais attends, on a dit que mais bon, les gens qu'on sait de soi là-bas, non? Et c'est là que j'ai dit que bon, nous on est là depuis, nous on a faim. Voilà, c'est comme ça, alors quand j'ai commencé les soya avec 30 euros, on est venu servir les soya. Je me suis rendu compte que les soya n'étaient pas bons. Ça nous a pas empêché de recommencer à commander parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait personne d'autre qui avait quelque chose. Il y avait des misouma qui étaient congelés. Ce n'a pas été, les gens n'ont pas mangé une soupe parce qu'il y avait une soupe congelée là-bas. Et que j'ai parlé de Mafouda. Mafouda, elle s'occupait que de ses invités et sa soirée. Les gens qui étaient à la cuisine, ce sont peut-être ses amis qui ont dit que ouais, Mafouda, aide-nous, on veut vendre quelque chose pour la soirée. C'est tout. Comme ça se fait. Elle n'avait pas pris un prestataire pour préparer. Parce que si elle prenait un prestataire, ça n'allait pas être les trucs salés. Alors, méfiez-vous, je ne suis pas dans vos pages là. J'ai mon mot à dire, c'est mon agent. Si vous mangez n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de goût, moi je suis homme qui adore manger. J'aime ce qui est bon dans ma bouche. Et quand je paye, je dois manger ce qui est bon. On est d'accord là? Je ne vous appelle pas dans ma page. Ne confondez pas ici, ce n'est pas la page de quelqu'un comme ici. C'est ma page. Ce n'est pas vous qui êtes mes amis. C'est quelqu'un qui est mon ami.
On est d'accord là? Vous voulez toujours tourner que la voix Joël a parlé mal d'un cancan? Hein? C'est ma part ici, je n'ai pas, de, je n'ai pas peur d'elle, ni de vous. Donc ne venez pas confondre, je ne suis pas bien. Hein? Je n'appartiens à personne, j'appartiens à moi-même. Mon gouvernement, c'est moi qui commande. On est d'accord là? Que ça vous énerve ce que je dis. Que le sol était salé. Vous ne voulez pas que les gens disent ça à Facebook. Parce que les gens ont peur de vous. Hein? Pourquoi? Moi aussi, hier, j'ai payé ma faillite là-bas, j'ai mangé ça parce que c'est bon. Si ce n'est pas bon, vous allez voir, je vais taper le scandale dimanche prochain. Pour lui dire que ce n'était pas bon. Vous voulez toujours couvrir tout. Vous couvrez toujours tout. On ne couvre pas tout. Cela va de ma santé. Oui. Heureusement que j'avais mangé par la maison aussi. Imaginez que je l'ai mangé par le gombo. Comme était à château où j'ai pris le gombo chez Tata Julie. Reçoit la tendonnerie. Elle m'a bien servi. J'ai bien mangé. Si je ne mangeais pas, j'ai fait quoi? On est rentré. Si la famille allait nous tuer ici. Heureusement que j'ai des jets sur les restes de nos tuyaux ici. Là. On a chauffé ça. Et si le soir avait été bon, ce que les gens n'avaient pas fait à la fin de la soirée. Donc ne venez pas souvent étouffer les gens. Quand les gens vont parler, parce que quand ça tue ça, c'est une catégorie de personnes. Non, il faut étouffer. Moi, je n'étouffe rien. Et je dis que la personne qui n'est pas d'accord avec moi, tu quittes mon mis parce que quand moi je bloque, c'est à dire. Pour vous m'apporter, ne vous donnez rien. Ici, c'est ma page. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui gère ma page. Vous serez obligé maintenant d'aller créer encore les faux pages pour venir regarder la star. Voilà, vous allez vous convertir à. Vous allez vous convertir au ténébreux pour m'insulter. Ça me glisse sous moi comme une cuit. Ce n'était pas bon. Et maintenant, vous m'avez dit, mamie, c'est trop salé, hein? Un enfant qui connaît que c'est salé. Que les trucs sont salés. On n'a pas parlé. C'est pour que la prochaine fois, c'est la même personne qu'on va, les gens vont prendre encore. Que la meilleure, il y a quand même le plus magique au marché. On va remplir les sels dans les soya que vous croyez que c'est quoi. Maman, je vais m'acheter, donne l'argent, je vais m'acheter l'eau. Hein. Non, pas l'eau là. L'eau là que je veux, c'est le. Je vais aller demander à la banque ou quoi. L'eau là que je veux, c'est le. Comment on appelle ça? Le contexte. Hein? On trouve ça là-bas en bas. Là-bas, au carrefour qui est là-bas en bas, vers la mairie là. Tu vois, non? Ici, en haut, il n'y a plus. Moi, je ne peux pas aller prendre l'eau. Je ne suis pas forte. Il me faut boire l'eau là. Je profite une fois de faire mon régime. Eh bien, Nana, toi-même, là, je te bloque encore pour la dernière fois, n'est-ce pas? Comme tu regardes, t'as quelqu'un comme dans ma page. Je te bloque. Comme ça, tu me verras l'année prochaine. Je vais te débloquer moi de mars. Hein. Quand je te parle, que fais attention à ce que tu fais. Comme tu es un hacker, tu ne connais rien. Je te bloque. Au revoir. J'ai peur de te mettre. J'ai une don. Et tout si tu pars, te reposes. Au revoir. Et les nanas. Voilà. Impossible de réagir à l'action. Hein. Ah bon, et les nanas. Tu dis que c'est impossible. Donc, toi, tu ne peux pas te bloquer. Viens hein? Encore commenter là alors. Donc, tu vous avez peur. Hein? Essaye encore de commenter ici, Evelyn Nana. Evelyn Nana, je vais te bloquer. Je sais comment je vais te bloquer. Donc, vous avez peur quand vous débloquez. Hein? Evelyn Nana, écoute-moi, ça c'est ma page ici. Tu ne vas pas parler de n'importe quoi ici dans ma page. N'est-ce pas? Quand il va te bloquer, tu peux mettre un truc de moteur. Hein? Attends, comment t'as encore tout à l'heure, non? Comment t'as alors? Moi, je dis ce que je pense, c'est tout. La prochaine fois, je vais, dès que la soirée est finie, mes nouveaux amis, je vais leur demander s'ils veulent venir manger ici. Je vais leur préparer la nourriture. Dès qu'on quitte la soirée, allez, tout le monde. Il y aura tout ici. Je vais prendre deux petites filles là qui vont servir ici. Moi, je ne sais pas. Oui, c'est le contexte que je veux. Mais on ne vend pas. Ici, en haut, il n'y a plus de contexte.
Mais là-bas en bas. Ah. Mais vous est-ce que je ne peux même pas tirer, que je ne peux pas tirer, je n'ai pas de force. La bonne dame, si. Moi, les enfants de maintenant. Je veux voir quand elle va se réveiller là. Elle va me payer, non. Parce que là, je suis bavarda à Facebook. Ne confondez pas, hein. Moi, je ne suis pas une femme que c'était, hein. Ah, non, 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 non. Comme elle était là, elle s'occupait de sa soirée, hein. Et ses invités, hein. Elle a même remboursé dans la. Je crois qu'elle a remboursé certaines personnes, hein. Ou remboursé ou pas. Ou parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils ont payé les tables, mais qu'ils n'avaient pas de place. Oui. Elle s'occupait de ces personnes. Et c'était à guichet fermé, 100 euros la place, hein. Tout le monde avait payé 100 euros, hein. C'était pas les billets. Il y avait des billets de 400 euros et 100 euros. C'est ce qu'elle me l'a dit. Donc, guichet fermé, elle a bien vendu. Je ne sais pas combien de tables elle avait. Elle a bien vendu sa boisson, ses tables. La boisson. Donc, voilà. Attends. On est là pour critiquer. Donc, je suis là après pour faire si, ça parce que non. Moi, j'aime quand je mange quelque chose, je sens d'abord le goût. Parce que moi, j'aime d'abord manger. Je suis une épicurienne. Surtout, c'est un temps que je ne bois plus l'alcool là. Donc, la nourriture doit être très bonne dans ma bouche. En plus, ce que là, c'est que je sors de l'hôpital. J'ai mangé quoi à l'hôpital? Le poulet fade, le poisson fade. Pour sortir, pour venir manger. Heureusement que j'ai mangé. Tata, Julie, le soir, la tendonnerie m'a amélioré ma bouche. Imaginez qu'elle disait que, oh, je vais attendre le soir pour manger quoi de sel dans ma bouche. Heureusement que j'ai la nourriture ici. Comment? On ne va pas parler parce que quand on parlait. Fiez-vous, hein. La dernière minute, il n'y avait pas. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas. C'est pour ça que je suis parti tôt. Oui. Comme il y avait aussi l'enfant. Un enfant, bébé dit, mais mamie, mais c'est pas beau. C'est plein de. C'est salé, hein. Un enfant de 3-4 ans, hein? En plus c'était son anniversaire. On n'a pas parlé parce que quoi. C'était pas bon. Le reste c'était magnifique. Bon, le côté est fini, on avance. Merci. Mais c'était classe. On ne sait pas qui a cuisiné. Et il faut bien critiquer quelque chose. Il faut critiquer. Dans toutes les soirées du monde, même dans les médias, vous voyez souvent quand un film sort, il y a les gens qui font les critiques là. Il y a les bonnes critiques. Il y a dans tous les films. Quand un grand film sort, ceux qui ont eu la chance de voir ce film là avant, c'est eux qui critiquent. Il y a les bonnes critiques, les critiques négatives. Donc, on doit dire que tout était parfait jusqu'à la cuisine. Ce n'était pas parfait. Tout était parfait sauf la cuisine là. Les misouga, vous allez faire les misouga, comment vous allez jeter les misouga? Il y a les rallonges, vous amenez les rallonges. Hein? Là, vous allez dans les interrupteurs, là-bas, vous mettez les rallonges là-bas. Vous chauffez la nourriture aux gens, les gens mangent. Les gens avaient faim. Beaucoup de gens avaient faim, moi je vais vous dire. Les gens, j'ai même vu certaines soirs qui sont restés dans cette table que les gens n'arrivaient pas à manger. Et je dois dire que quoi. Tout était parfait, sauf le Misuma. Donc, voilà, c'était bien. C'est tout. Et je remercie tous les gens qui m'ont fait honneur dans ma table. Oui, la table des rois, tout le monde a répondu présent. Tout le monde a fait l'ambiance. Notre table, ma table était la table la plus animée de la soirée. C'est nous, on se levait, tous les musiciens dansaient. Il y avait tué une ou deux personnes qui étaient debout pour danser dans notre table. Quand ça chicote, et c'est même pas ça, ça assise même deux fois. Elle a fait le show bien, même quand ça chicote, elle a bien dansé, elle a représenté la soirée. Elle était très bien habillée, classe, digne, bien maquillée. Avec des blagues et tout, c'était très beau. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je remercie tous les gens qui étaient sur ma table.
J'étais censé être les gens que comme j'aime, les gens qui sont joyeux. On appelle la table de la joyeuse. Ah. La photo. Les photos ne sont pas encore. Oui, on m'a vu à Canal 2, oui, j'ai vu. Oui, moi je pensais que tu avec tout le monde là-bas. Les photos ne sont pas encore sorties. Je suis même filmé avec les champions là, celui qui avait Il est gentil, il est super gentil, hein, ce monsieur. Super gentil, s'exprime bien, il est classe, hein. Oui, il est avec sa femme blanche. C'était très bien. Il n'avait pas besoin avec sa dulcinée femme. C'était bien, il y avait beaucoup de couples. Il y avait Michel, ils sont là-bas avec avec son mari. Je suis allé le menacer que. Méfie-toi, hein. Ah oui, on était joyeux dans notre table. J'ai dansé, oui. C'était une adorable soirée. C'était vraiment très beau. Oui, ma table était. On appelle ma table la table des joyeux. Tout le monde était joyeux dans ma table. Les gens étaient très sympas. Pourquoi elle portait la tenue et quand? Parce que la tenue que j'ai achetée, ça c'est une bonne question que je vais te répondre. Je sors d'une opération et il me fallait quelque chose qui est large pour porter. Parce que la tenue que moi j'avais, c'est une tenue qui était une très belle robe longue, droite. Je ne peux pas, il faut que je porte quelque chose qui est ample. Et c'est la seule tenue que j'avais qui était ample. C'est pour ça que j'ai porté. Sinon, je pouvais porter une ancienne tenue qui est. J'ai une robe que j'avais portée dans un mariage là aussi. Elle aussi, je pouvais aussi la porter. Mais bon. C'est pas grave. Mais et pourquoi pas porter la tenue quand même? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient un dôme là-bas? Pourquoi tu me poses le monde? N'est-ce pas qu'un gars m'avait un dôme sur la tête? Que je pose la tenue et quand? Ou le dôme, ça change quoi? Il y avait des filles qui étaient sexy là-bas hier. Qui avait les clés jusqu'ici. Est-ce que c'est la soirée qu'on doit porter les clés jusqu'ici? Ben, moi j'étais bien habillé, c'est tout. Après, vous allez voir, je veux plus m'habiller. Je veux m'habiller avec la tenue qu'on a uniquement maintenant. Quand il y a une cérémonie quelque part, que je trouve que non, cette cérémonie a mérité de porter cette robe là que je veux porter. Sinon, j'ai les tenues que j'ai portées. Oui, Jessica, attends, elle aussi était très sexy. Donc voilà, mais bon. En tout cas, bref, c'était bien. Oui, j'étais à l'aise dans ma tenue parce que c'était ample en bas. C'était ample. Vous avez vu, je n'ai même pas mis la ceinture. Normalement, je porte souvent ça, je mets souvent la ceinture. Je n'ai pas mis la ceinture pour ne pas être gêné. Ouais, c'était bien. Donc, c'est tout. Quand tu es, il faut prendre des choses qui sont à l'aise. Si c'était que je n'étais pas, j'avais pas fait mon tout, j'avais porté une autre robe. J'ai plein de robes. J'ai une soeur qui m'a fait trois belles robes. Quatre robes à une belle jupe. Oui, j'ai une très belle robe comment faire. Des belles robes, de belles tenues. Comment faire? Donc voilà, c'était bien. Donc je tenais à rendre hommage à casse la chicotte et à tous les gens qui était sur ma table parce que c'était la table des joyeux. Notre table, on était tout le temps debout en train de danser, en train de faire la joie. Nous, on était la table des joyeux. Notre table était joyeuse. J'espère que l'année prochaine, notre table sera encore plus joyeuse que cette année. Donc, c'était pour dire encore merci. Imagine un flanc comme. Osu, Oyaga, continue comme ça. On est derrière toi. Nous, on va être là pour toi. On va te supporter. Mais la prochaine fois, il faut d'abord goûter les soins avant de servir ça aux invités. C'est tout. Je n'ai pas mal parlé. Voilà. Non, quand ça a mis le show. Quand ça a mis le show. On a bien filmé. Moi, j'ai filmé. Moi, j'étais le reporter. J'ai fait le reportage, j'ai filmé tout le monde, j'ai filmé toute la salle. Si vous regardez encore mes vidéos de la soirée, j'ai filmé tout le monde, toute la salle. Toute la salle, j'ai filmé tout le monde. Les gens étaient sympas avec moi, joyeux, gentils.
C'est d'accord, c'est cette convivialité-là qu'on aime. C'est pas parce que j'ai porté la tenue que les gens ne m'embrassaient pas, ça n'a rien à y voir. Il y avait les gens qui avaient leur dope là-bas. Ça n'a rien à y voir. Il y avait même Calibo là-bas, lui et moi, on s'est même filmé plusieurs fois. J'ai même aussi filmé plusieurs fois. C'est tout. Donc, voilà, on a passé une bonne soirée. Donc, voilà, c'était bien. C'était bien. C'est ce que je vous laisse, j'ai bu les médicaments. Je me repose. Après, je vais sortir pour aller payer, prendre les médicaments et payer mon. Le collant de cotation. Donc voilà. En tout cas, bonne journée à ceux qui vont travailler. Et quand quelque chose est bon, c'est bon. Quand quelque chose, il faut parfois critiquer. C'est les critiques qui font avancer le monde. Tu ne dois pas être parfait tous les jours. Même moi, c'est les jours quand je prépare les misouga, s'ils sont bons. Quand je prépare encore la dernière fois, la prochaine fois, ça n'a pas le même goût que le premier goût. C'est comme ça. C'est pas toujours qu'on réussit à préparer la sauce d'arachide. Aujourd'hui, vous préparez la sauce d'arachide, c'est un bon goût. Demain, tu peux encore préparer, ça change de goût. Donc, c'est ça. Je ne dis pas que cette personne qui a pas mis soit. C'était bien, c'était très bon, hein, c'était tendre, bien juteuse. Mais le problème, c'est qu'au niveau du goût, c'est ça, c'est là où ça a tout gâté. C'est tout. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais me reposer. Je vous embrasse. Sachez que maintenant, là, quand je bloque quelqu'un, c'est à dire. Vous n'aimez pas les critiques. Je vous ai critiqué. Je parle de la soirée où j'ai été convié. C'est tout. Vous n'aimez pas la vérité. Pourquoi? On vous a dit que Facebook, c'est un nid de mensonges. Que tout le monde va venir faire les commentaires à sa façon. Quand je ne parle, ne va pas, il faut parler pour qu'on s'améliore. C'est tout. Bonne journée. Moi, je dors. Tout à l'heure.